Tchou! Bonjour à tous et bienvenue pour ce JT du Geek. Et oui, deuxième news de la journée. Et aujourd'hui, c'est une grosse news. On a enfin une date pour le nouveau. Honor 10, ah voilà. Alors c'est plutôt un Honor Note 10, un smartphone énorme qui est fait pour concurrencer directement le Xiaomi Mi Max. Alors c'est vrai qu'on euh, avait vu une news tomber sur le sur Android. Vous expliquiez que qu'il l'a mis en comparaison avec une euh, une switch pour comparer un petit peu la taille et euh, on pouvait déjà en déduire pas mal de choses notamment que ça sera un gros modèle donc vraiment 6,9 pouces euh, par rapport à déjà à peu près à tout ce qu'on sait et surtout il sera très fin et c'est vrai que l'avenir du smartphone il est un peu là de grosses tablettes sans bordure machin avec euh, avec une épaisseur réduite vu qu'on va taper maintenant sur la long... on va taper sur la longueur et non pas sur l'épaisseur alors qu'est ce qu'on sait de ce note 10 1 il va être annoncé officiellement le 31 juillet en Chine est-ce qu'il va être annoncé en version monde il y a de fortes chances Honor, enfin c'est Huawei Honor en Chine et en France c'est que Honor. Même si les bureaux ils sont en U, euh, c'est deux trucs différents. Bon, donc du coup il sera ça. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent Qu'il y aura une intelligence artificielle pour les jeux. Bon, ça c'est pas mal et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu euh, Donc voilà fin, sortie fin du mois. L'écran 6,9 pouces devrait être AMOLED. Putain de la balle, de la molette en quad HD. Alors. L'avantage du coup à l HD c'est qu'il y a une résolution de fou. L'inconvénient c'est que c'est un peu gourmand en ressources donc il va falloir quand même un processeur qui, qui tourne. Donc du coup à HD, un Kirin normalement de 970 vu que c'est ce qui se fait de bien chez Huawei Honor bien évidemment. De mémoire 6 plus 64 ou 6 plus 128. Encore une fois, après vous pourrez. Je sais pas s'ils si en parlent dans l'article mais là c'est vraiment les news qu'on a reçues ce matin nous par rapport à l'Asie donc du coup on, on se cale là-dessus. La batterie devrait faire 6000 mAh. <laughs> Ah ouais, ça c'est bon. Ouais, qui... euh, Caméra arrière 24 plus 16. Oua. Oh la vache En plus, voilà comme c'est du, du Huawei Honor, on, on espère que ça soit de la bonne qualité, que ça sera pas mal et tout. Donc, c'est vraiment la classe. Sous Android, 8.1, c'est bien. Le NFC, paiement sans contact. Alors, <laughs> Att attendez, <laughs> je scanne. Voilà, de l'USB type C bien évidemment, ça c'est la classe et euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas de prix, on n'a pas de date, tout ça c'est du subodoré potentiel et tout, il n'y a, ri a rien de, de sûr mais c'est vraiment de la bombasse et il va falloir vraiment attendre à mon avis le 31 juillet, on refera un JT du Geek avec les news, les machins, les trucs qui vont arriver comme ça. A savoir que pour ceux qui seront vraiment très gourmands, il existe une version Roll Rolls et eh ouais. Apparemment, il y a une version qui a été signée. Alors, c'est vrai que rolls avait déjà fait avec Porsche hein, en faisant une version Porsche Design qui était quand même bien chère pour pas exceptionnel quoi. Donc bon, là là, ils ont fait une version apparemment avec Roll Rolls-Royce. Donc après voir le cahier des charges, certainement du métal, du machin comme ça, une version à 10000 à 10000 RMI, ça fait du 1500 dollars hein, Donc ça doit faire euh, du euh, pas loin de 100 en euros <laughs> Donc 1500 euros, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a un marché pour le très haut de gamme, comme c'est du Huawei. Les chinois ont certains chinois ont énormément d'argent. Donc là, une version roll-roll, ça serait vraiment pour eux le moyen de rebondir un peu et d'enquiller un petit peu. Donc c'est un peu les news après. Bah voilà quoi, c'est oui. Là, vous pouvez le précommander sur alors si vous êtes en Chine, vous pouvez aller sur jd.com. Jd.com. Après, on met pas l'adresse, mais euh, vous pouvez le précommander directement en Chine euh, pour faire une petite réservation en sachant pas ce que vous allez acheter, ce que vous allez avoir, quelle sera la configuration. Notre 10 RAK4G, euh, 1 kg. Je sais pas ce que c'est, 1 kg. Ça doit être la boîte euh, là, et puis Chut. Voilà, <laughs> Dieu appelle ça, on fait ça acheter du vent chez nous. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu pour les news. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que, alors je ne vais pas dire qu'on aura un Challenger au Mi Max, ça ne va pas être du tout dans le même prix euh, à mon avis, euh, mais il sera beaucoup plus haut de gamme. Euh, L'écran AMOLED, quoi, l'HD, processeur, de la RAM, une batterie plus grosse. Mais alors, du coup, combien vous seriez prêt à acheter ce smartphone là Parce que du coup, bon, le Mi Max, on a vu ça hier, on était plutôt dans les 200, entre 220 et 250 euros. Ce que j'ai noté entre 216 et 254 prix Chine, donc je veux dire, bon, moins de 300 euros en import, c'est à peu près sûr. Combien vous seriez prêt, vous, à payer pour ce Honor Note 10 avec une version config Est-ce que 500 euros ça vous paraît euh, un bon prix Moi, oui, <laughs> moi, oui, s'il est aussi bien, mais à mon avis, il va être cher. Combien Allez, combien Est-ce que vous avez des pronostics Mettez-moi en commentaire à peu près combien vous... combien il vaudra Combien vous seriez prêt à y mettre D'accord, mais combien il vaudra Tiens, par exemple. Et puis comme ça, le 31, on verra qui a gagné. Par exemple. Allez, comme toujours, on va arrêter un peu JT du Geek là, parce qu'on n'a pas énormément d'info, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a une date le 31. Voilà. Et on a quand même une date pour le A2 et A2 Pro le 24. Donc la semaine prochaine il va être tendue en JT du Geek. Voilà. Allez, chers commentaires, pouce en l'air, chers en sur les sociaux. Commentaire, un commentaire sur cette vidéo. Pouce en l'air. Hop là, si t'as aimé la vidéo, pouce en bas, si t'as pas aimé la vidéo, tu peux me dire également pourquoi. On remercie également les 80 tipeurs. On a pris un tipeur depuis tout à l'heure que j'ai fait la dernière vidéo. Donc, je leur remercie. Encore une fois, être tipeur, c'est pas le montant qui est important, c'est le nombre. Parce que nous sommes, nous sommes le nombre. Et plus on sera nombreux, à, enfin plus surtout, vous serez nombreux à regarder cette vidéo et à avoir de tipeur, et plus on sera puissant, et plus on pourra faire des choses, et on pourra faire chier un peu les marques. Par exemple. <laughs> Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, pour aujourd'hui, j'espère que ça sera tout. Sinon, je serai de vous en préparer. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu le week-end du JT du Geek. Il faut absolument que je fasse le montage du, du S55. J'ai fini la vidéo de tout à l'heure, là. Donc, il faut que je fasse le montage. Si je veux, vous l'envoyer cet après-midi pour les tipeurs. Et les autres, vous la verrez demain euh, en public sur le JLG Review, mon autre chaîne. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix et prospérité. Bonne journée. Et puis surtout, bon week-end, parce que là, mine de rien, on est quand même vendredi soir chez moi et vendredi chez vous, donc c'est bientôt. Allez, bonne journée.